Et salut les potes, j'espère que vous allez bien. Vidéo sur un nouveau jeu mobile euh, qui a la langue française depuis euh, peu. Donc ce jeu c'est Demon Slayer Wheel of Ashira. Donc euh, c'est un jeu non officiel euh, qui nous était proposé. Donc euh, voilà, de base, euh, jeu non officiel, c'est ce que ça veut dire. C'est de temps en temps, il n'apparaîtra plus dans le store s'il se fait euh, bah, euh, attraper par. Euh par les éditeurs officiels, etc. Euh, mais euh, l'avantage, c'est que pour le coup, euh, le jeu, il nous fait bien kiffer sur les musiques, puisqu'il utilise ben, les vraies musiques de l'animé, etc. Les persos, c'est super bien fait. l'espace c'est limite. Hein, L'espèce, ça ressemble à celle euh, du jeu euh, euh, Inokami Chronicles, là, sur euh, Play 5. Donc euh, de ce point de vue-là, ça nous régale, mais effectivement, euh, il n'a pas réellement les droits pour faire tout ça. Mais bon, ça après, c'est pas notre problème, on va dire. Euh, le but de cette vidéo, c'est de vous présenter le jeu euh, de manière globale euh, pour vous donner un avis et donc euh, voir si vous de votre côté vous serez curieux ou pas, bah, de l'essayer euh, suite à ça. Donc, euh, on nous dit pas le petit pouce bleu, commentaire et le follow les gars, si jamais vous voulez soutenir euh, la chaîne. Donc, on est parti. Euh, on va commencer par les éléments qui sont à gauche de l'écran. Donc tout en haut, on a notre profil. Donc dans le profil euh, tout classique, il hein, y a le, le pseudo. Une fois qu'on va dedans, euh, le code, enfin euh, la guilde, euh, notre serveur, le perso qu'on veut avoir euh, comme avatar, etc. Donc euh, rien de bien, euh, bien méchant. C'est ici qu'on peut taper les codes amis. Je vous donnerai quatre euh, codes amis dans la description pour ceux qui ont téléchargé le jeu et qui veulent euh, avoir des petites récompenses euh, gratos. Euh, c'est toujours ça de prix. Ensuite, le système d'amis. Donc, euh, vous pouvez euh, voir vos amis. Vous récupérez de l'amitié. Comme vous voyez, j'ai une 960. Et tous les 1000 points d'amitié, vous pouvez faire une petite multi. On a donc la barre pour ajouter un ami. Là, c'est quand on nous demande un ami. Donc, on accepte on refuse. Et là, la blacklist. C'est s'il y a des joueurs, vous ne voulez pas les voir. Ils sont cancer, etc. Vous les mettez dedans et euh, ben, vous ne les verrez plus. En dessous... Euh, là c'est le, le point du jeu qui fait qu'il y en a plein qui vont cash play ou comme ça. Euh, c'est tous les classements, ils mettent des classements partout. Donc après avoir, d'un côté ça peut être vu comme un, un point positif, d'un autre côté, certains vont te dire que c'est négatif. Ça dépend de quel bord on se situe. Si on est des cash players, bon ben, on, est, on aime bien qu'il y ait des classements, si on est free player. On s'en fout un peu des classements vu qu'on sait qu'on ne sera pas premier, vu qu'on met pas d'argent. Donc classement sur les points d'équipe, donc euh, votre puissance, sur euh, celui qui est le plus loin dans le mode histoire à l'heure actuelle, euh, classement de guild, donc moi je fais partie de la FR Family, donc on est numéro 1 dans le serveur, donc ça fait plaisir parce que du coup on gagne davantage de récompenses par rapport aux autres guilds, hein, voilà. Euh, L'arène, euh, donc ça c'est le PVP. Euh, voilà, et à chaque fois ils vous mettent votre classement là. Moi je suis 25e par exemple, donc en soi c'est pas dégueu. Et ça, sélection finale et épreuve de mirage, c'est deux modes de jeu que ben, vous aurez à faire euh, dès le début euh, de votre aventure. Et le but pareil, c'est des étages un peu euh, à l'infini, avec chaque fois des récompenses quand vous gagnez. Et le but c'est d'aller le plus loin euh, possible. Euh, les tâches c'est ben, les missions quotidiennes, hebdomadaires, des petits défis euh, quand vous faites le mois d'histoire euh, et autres défis annexes, ça vous donne des récompenses, notamment des gemmes, euh, de l'or, ça, ça vous permet de up aussi euh, euh, votre team, etc. Donc c'est voilà le but du jeu clairement hein, c'est vraiment d'améliorer non-stop sans cesse sa team pour pouvoir passer à chaque fois les niveaux suivants de, de tous les différents events que le jeu nous propose. Le hall à quoi ça sert Ça sert en gros, ça vous propose d'entrer quel personnage peut être réveillé aux étoiles supérieures. Ils analysent votre box, ils vous disent ok là tu as ce perso, tac tac, il y a tous les matériaux requis qui sont euh, réunis. Si tu veux, tu peux le faire passer euh, à l'étoile supérieure. Donc je vais vous bouger ma caméra pour vous voyez. Voilà. Là je peux mettre une étoile rouge. Donc c'est 5 étoiles jaunes. Ensuite ça passe à étoile rouge jusqu'à 5 également. Ensuite, étoile bleue euh, jusqu'à 5 euh, également. Donc voilà, il y a 15, 15 étoiles max, je crois, à l'heure actuelle sur le jeu. Euh, donc voilà. Euh, le Retraite, c'est si vous voulez vendre des persos. Ça vous donne des ressources. Et défaire, c'est admettons que vous avez mis un perso ben, en étoile rouge. Comme dans Promouvoir, on peut mettre étoile rouge. Mais ben, si vous voulez revenir en arrière, donc faire un reverse, ben, vous pouvez et ça vous rend les ressources. Donc ça c'est très très cool parce qu'au moins si vous éveillez un perso et qu'après vous débloquez un nouveau perso plus tard et que vous le préférez, ben, vous faites le reverse sur un que vous voulez plus utiliser et vous remettez tout. Euh, sur le nouveau perso, au moins vous pouvez rapidement le up. Ça, c'est un point plutôt positif du jeu, je trouve. Euh, après, il y a le chat, euh, chat mondial, chat avec votre guilde, les MP, on peut MP des joueurs de notre serveur, etc. Euh, les menus en bas, il y a héros, maître, sac, guilde, volonté. Donc, ça, euh, héros, ben, c'est votre box, tout simplement, avec les doublons, etc. Quand il y a des petits points rouges, là, comme on le voit sur euh, Kyojuro, Rengoku. Euh, c'est que vous pouvez faire quelque chose. Là par exemple, ils disent que je peux promouvoir le perso. Donc euh, là, il faudrait que je donne 6 persos 5 étoiles rouges. Euh, là j'en ai, mais il y en a, c'est des SSR, donc je ne vais pas le faire. Je vais attendre de farmer des SR 5 étoiles pour euh, l'éveiller. Et au moins, il pourra passer euh, ben, étoile bleue, c'est-à-dire sa 11e étoile. Ce qui le rendra bien meilleur au niveau des stats, comme vous le voyez ici. Euh, donc voilà, dès qu'il y a des points rouges, dites-vous, il y a un petit truc à faire. Euh, Archive, c'est juste votre album de persos en fait. Hein, c'est pour voir les persos que vous avez et ceux qui ont le cadenas et que vous ne les avez pas droppés une seule fois encore. Dans moi j'ai tous les persos R, N et SR. Et en SSR, il me manque les deux piliers euh, de la dernière saison, hein, Miyushiro et Mitsuri. Euh, et après, les démons. Non, il y a une Tengen aussi, une deuxième version de Tengen qui me manque. Et après, que des démons. Les démons, je vous le dis d'avance, ils ont le taux de drop le plus dur. Voilà. Donc bonne chance pour les avoir. Là après les liens, vous pouvez améliorer les liens de vos persos. Et ça c'est entraînement, c'est un mode très sympa, mais je ne vais pas vous le détailler ici, je le ferai plus tard dans une autre vidéo. Mais en gros ça permet de, quand vous mettez un perso ici, de les mettre au même niveau que votre perso le moins élevé de votre team titulaire. Pour faire simple, moi, euh, ma team titulaire, le perso le moins élevé est niveau 130. Mais du coup, tous les persos que je mets, ils passent automatiquement au niveau 130 sans utiliser une seule ressource. Donc, ça c'est très très cool. Également, si vous voulez jouer d'autres persos et que vous n'avez pas les ressources pour. Euh, Maître, c'est un truc pour euh, up votre team. C'est notamment les PV et les attaques. Le sac, ben, classique. Hein. Il y a un système de fragments. Euh, vous pouvez drop des persos avec les fragments. Euh, la guilde, ben, du coup, il y a plusieurs modes dans la guilde. Euh, tout en bas, derrière ma caméra, il y a jeu de points. Donc, pareil, c'est euh, là le boss du jour, c'est euh, Gyotaro, de... il s'appelle. Donc le but c'est là on a trois chances pour lui faire le plus de dégâts possible et du coup après il y a le, le cumul de chaque guilde. Donc là ma guilde elle est première, bon en même temps, il y a six joueurs qui l'ont fait, les autres il n'y a qu'un seul joueur. Moi je ne suis pas classé encore parce que je ne l'ai pas commencé, donc je le ferai plus tard. Il y a opération de sauvetage, donjon, euh, voilà c'est trois modes de jeu où vous devez tabasser euh, des ennemis et euh, après il faut un concours avec les autres guilds etc par rapport à, à qui a fait le plus de dégâts etc. Compétence ici, vous pouvez améliorer pareil les stats euh, de certains types de vos personnages. Personnage dégâts, personnage défense, personnage soutien. Donc faites en fonction de votre box titulaire. Hein. Si vous avez beaucoup de persos dégâts, ben, focus le dégâts comme je fais. Si c'est défense, mettez défense, etc. Euh, et ensuite, volonté, ça je l'ai débloqué euh, hier. Donc ça permet pareil euh, de focus l'amélioration de certains types de persos. Les persos rouges, les persos bleus, les persos verts ou les persos euh, démons. Euh, donc moi pareil je focus davantage le feu et l'eau parce que c'est surtout composé de ça ma team euh, du coup voilà pas mal d'events seront débloqués au fur et à mesure que vous montez des niveaux donc euh, ouais il y aura pas mal de trucs bloqués au tout début mais vous allez tout débloquer rapidement si vous y jouez euh, tous les jours et voilà pour vous dire moi ça fait 12 ou 13 jours que j'y joue donc c'est pas non plus beaucoup mais j'ai débloqué la plupart des trucs euh, tout à droite il y a le mode test, mode test en fait c'est vraiment il y a tous les modes de jeu il y a tous les modes de jeu, tac-tac-tac, que tac, tac, vous pouvez faire un peu tous les jours. Euh, et du coup, ben, chaque mode de jeu a ses euh, caractéristiques, euh, a ses particularités. Et du coup, il y a différents types de récompenses à gagner et à farmer selon le mode de jeu. Donc là, pareil, je vous laisserai découvrir ça ben, quand euh, vous y jouerez. Euh, le défi, c'est le story mode, en gros. Donc vous cliquez sur défi quand vous voulez ben, avancer dans le story mode. Mais quand vous arrivez trop loin, ils vont vous dire, ah frérot faut que tu montes en level maintenant pour faire la suite. Euh, voilà, on peut faire bataille rapide deux fois par jour, je crois. Ça vous donne euh, les récompenses de. C'est quoi déjà euh, Comme si vous étiez AFK pendant deux heures. Quand on est AFK pendant deux heures, là vous je suis AFK de 43 minutes. Vous le voyez pas, c'est caché derrière la caméra. En 43 minutes, par exemple, ça a récolté ça. Voilà, il y, y a ça de récolter en 43 minutes. Ben, quand vous faites euh, bataille rapide, ah ben je l'ai récolté. Euh, bataille rapide, ça vous simule 2 heures d'AFK, donc c'est plutôt sympa. Et à gauche, là, vous avez euh, combien vous gagnez par minute de chaque euh, item. Voilà. Et ici, expédition. Euh, pareil, c'est des trucs que vous pouvez. Euh, vous envoyer vos persos en mission. Et ça vous débloque des, euh, ben, des petites récompenses. Là, par exemple, je veux des items des fragments de perso bleu 4 étoiles déployer tous hop, pendant 6 heures ça va taffer et hop à la fin donc je débloquerai euh, ces 30 euh, fragments voilà pour le mode histoire au milieu au milieu on a donc euh, l'arène l'arène avec 4 types de pvp le pvp classique euh, hop. oui bon ça ok euh... ah ouais ça m'a fait euh bouger dans le mode de jeu que j'avais lancé en parallèle. Euh, tac tac tac. Excusez-moi. L'arène, du coup. Euh, C'est le PVP de votre serveur. Parce que oui, le jeu fonctionne avec des serveurs... Euh, plein de serveurs. Moi, je suis dans le N97, si jamais ça vous intéresse. Donc là, je suis actuellement 25 e Et euh, voilà, vous pouvez chercher donc des persos, des adversaires. Mais euh, moi, j'ai 480 000 de puissance. Donc... Euh voilà, là hop, par exemple, ERA, 468 000. Je me dis peut-être que je peux la battre. On va voir. Comme euh, j'ai débloqué certains trucs, je peux sauter les combats. Ça m'évite de perdre du temps. Et oui, j'ai gagné. Donc je gagne 22 points. Mais mon classement n'a pas bougé. Je gagne un peu d'XP pour les persos. Euh, voilà comment ça fonctionne, grosso modo. Championnat, c'est tous les mardis, vendredis. Bataille classée, donc c'est euh, interserveur. se passe pendant une semaine. Et euh, championnat interserveur également les jeudis. 21h, 22h. Voilà pour l'arène. Voilà, j'essaie de faire un peu vite parce qu'il y a énormément de choses et je ne veux pas que la vidéo dure 30 minutes non plus. Au milieu, les gars, invocation. Donc, euh, comme vous voyez, il y a plusieurs types de portails. Donc, attendez, je vais décaler juste la caméra, le temps de ça. Je vais la mettre ici. Euh, différents portails. Portail basique, c'est euh, celui-là. Donc, c'est des tickets bleus. Mais le taux de drop est merdique. Hein. Voilà, comme vous voyez, 98% d'avoir des 3 étoiles. 1,5% d'avoir des 4 étoiles. Et 0,40 pour un 5 étoiles. Donc c'est vraiment nul. L'amitié avec les amis, là, quand vous récupérez les cœurs. Si vous avez 1000 points, vous pouvez faire une multi. 85 les 3 étoiles. 13,5, c'est 4 étoiles. 1% de 5 étoiles. Donc c'est nul également. Et le portail avancé. Donc là, c'est avec les tickets or que vous avez vu tout à l'heure. D'ailleurs, on va faire une multi. 3 étoiles, 80%, 15% les 4 étoiles et 5% de chance d'avoir un 5 étoiles. Donc, euh, ben, hop, on y va, j'ai 20 tickets. Donc, on va se faire ben, une multi pour voir ça. L'animation, elle n'est pas faux folle. Euh, voilà, il y a les persos qui apparaissent comme ça. D'ailleurs, je suis en train de vous gêner. <laughs> voilà, je vais mettre comme ça. Vous voyez, en gros, les persos, ils apparaissent comme ça avec leur étoile. Et si vous avez un SSR, là, ça n'a pas été le cas. Si vous avez un SSR, donc vous avez vu, attention. Les SR sont aussi des 5 étoiles. Donc attention. <laughs> C'est souvent le cas malheureusement, mais euh, voilà, le taux de drop est beaucoup plus avantageux pour les femmes et beaucoup plus avancé pour les SR que les SSR, vous en doutez. Et du coup, on vous troll souvent en vous donnant du SR plutôt que du SSR. On fait une dernière multi pour voir, en gros, si vous avez un SSR, en gros, il y a l'image du perso qui apparaît. Et ben voilà, on a un SSR, euh, Sabito, euh, l'image elle est comme ça, tout simplement. OK donc euh, au moins on a de la chance j'ai pu vous montrer euh, comment c'est quand il y a un SSR euh, c'est comme ceci donc ça vitôt, après je m'en sers pas euh, pas du tout voilà <laughs> tant que vous le dire euh, hop. donc euh, voilà pour les invocations et ensuite il y a la boutique euh, boutique en fait il y a vraiment plein de boutiques pourquoi parce que dans chaque event ben, vous farmez différents types de ressources et selon les ressources en fait ben, vous allez dans la boutique correspondante et souvent, ben, vous pouvez récupérer soit de très bons items, soit carrément acheter des personnages. Donc après, c'est vous qui voyez euh, ben, ce qui vous intéresse le mieux en fonction de vos objectifs de box, etc. Euh, si vous avez déjà votre team, vous êtes satisfait des 5 persos de votre team, ben, plutôt que d'acheter d'autres persos, euh, acheter ben, soit des équipements très rares, soit des items là, les pierres de refonte pour continuer d'éveiller vos persos, etc. etc. Ça après c'est vous qui déciderez. Nous on a un Discord euh, dans la description où on parle. Donc on a des salons pour des monseilleurs. N'hésitez pas, on a le numéro 1 de ce serveur d'ailleurs qui est dans le serveur Discord. Euh, donc euh, si vous avez des questions, etc., nous pourrions y répondre. N'hésitez pas à le rejoindre. Euh, d'ailleurs, voilà, je ne l'ai pas dit, je pense, en début de vidéo. Voilà, bon, boutique, les gars, voilà, vous avez capté. Hein. Euh, je n'ai pas dit en début de vidéo, mais euh, vous avez... Euh, tac. Le lien pour télécharger le jeu, parce qu'actuellement je crois il n'apparaît plus dans le Android. Pour les Android, il n'apparaît plus dans votre store. Donc ceux qui ont ce problème, vous allez sur ce site. Euh, qui est, le lien sera dans la description et vous pourrez donc télécharger le jeu, soit sur App Store, soit sur Android. Donc allez-y avec votre téléphone hein, pour télé, pour, sur ce lien, hein, pas avec le, le PC. Euh, ça sera plus simple, du coup, pour l'avoir sur le téléphone. Euh, et également, les gars, dans notre serveur Discord, on a euh, une tier liste de la version globale. Euh, tier 1, c'est les meilleurs, et jusqu'à tier 6, les moins bons. Mais un tier 6 très bien éveillé sera toujours meilleur qu'un tier 1 qui n'est pas beaucoup éveillé, les gars. Donc, prenez ce paramètre en compte et construisez votre box, votre équipe, en fonction des drops que vous avez. Euh, parce que, voilà, si vous voulez focus un perso euh, que vous avez eu une seule fois malheureusement, il ne pourra pas être très fort parce que son, le niveau sera... Euh, il pourra être niveau 100 maximum, Or qu'avec d'autres persos un peu moins bons, peut-être, moins utiles. Et si vous avez plusieurs étoiles, vous pouvez les mettre jusqu'au niveau, ben moi, par exemple, 190. Ben là, ce perso sera bien plus fort que votre perso que vous kiffez euh, niveau 100. Donc, euh, voilà pour la tier list. Prenez une photo. Et au pire, tout est dans le Discord. Euh, encore une fois, donc, euh, vous ne prenez pas la tête. Rejoignez le Discord, les gars, et vous aurez toutes les informations. Euh, voilà. Moi je suis en route pour avoir les 500k de puissance, donc c'est plutôt très bien. Hein. Euh... Les, euh, tous les éléments là, tous les petits, les petits modes qu'il y a euh, en haut à droite là. Tout ça, c'est lié un peu à si vous achetez des packs, etc. On va... Ça, c'est un peu le, le coin du démon, là, ici, là-bas. Euh, ici, voilà, c'est que des packs. Euh, bon là, il y a des trucs aussi. Euh, c'est pas forcément des packs, hein, mais, euh... mais la plupart c'est ça. Ah oui, là j'ai des tickets, je pourrais les utiliser. Euh, tac, tac, tac. Voilà, ça je vais pas vous les présenter parce que c'est vraiment lié au cash player, surtout. Il y a des trucs pour les free players, hein, comme il y a des passes de combat où il y a la ligne pour les free-to-play et la ligne en plus pour ceux qui vont payer euh, le pass. Euh, voilà, donc vous ferez ce que vous voulez les gars, c'est vous qui gérez votre compte. En tout cas, euh, oui, et dernière chose, le petit chat là, tac, c'est les mails, voilà, toutes les infos, les récompenses de classement de chaque, euh, chaque mode de jeu, il ben, y a les récompenses qui viennent en fin de journée, euh, tout, vous récupérez tout ici. J'ai fait le tour sur tous les événements du jeu, euh, j'espère que ça a été assez... Euh, c'est clair dans tous les cas. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous avez des questions ou dans la barre de commentaires. Vous posez des questions, je vous y répondrai. Euh, si vous voulez vous lancer dans le jeu, n'hésitez pas. Moi, encore une fois, je suis serveur N97. Comme ça, ben, vous pourrez peut-être euh, rejoindre même notre guilde qui c'est la guilde numéro 1 du jeu. Euh, du coup, voilà, n'hésitez pas, les gars. On va se laisser ici. Je pense que je ferai d'autres vidéos pour focus certains autres aspects euh, du jeu parce qu'il est vraiment très, très, très large comme jeu. Il y a de quoi faire. Et en une seule vidéo, c'est trop compliqué. Donc voilà. Je vous fais des bisous en tout cas. Portez-vous bien. C'était Guillaume. Ciao, ciao.